Yep, tout le monde, c'était Homer. On se retrouve pour notre la suite de nos ouvertures de notre pack opening. Désolé pour la suite de nos pack opening. Je suis en train de regarder l'équipe, c'est pour ça en même temps pour vous montrer encore les quelques changements que j'ai pu réaliser. En attendant, à la fin de ce pack opening là, il y aura certainement un squad builder d'une équipe européenne et après une équipe de la Confédération européenne, donc et peut-être une équipe africaine ou un truc comme ça. Je verrai. Donc j'ai eu. Qui de nouveau? Oui, les deux attaquants, Negredo et Klose, Ozil et Yaya Touré, mais pas en vidéo, j'ai eu comme ça sur un pack avec un seul joueur. Donc, on aurait pack 20 encore une fois. Hein. On change pas le nombre de packs ouverts, je suis en train de chercher. Hop. Sanderos. Et que des doubles quasiment. Et un pack. Hop. Ouais, on commence tranquille. Bon, Luis Gustavo, ça aurait été bien si je l'avais pas déjà. Ah, voilà. Sanchez. Reinhardt. Il est pas mauvais. Il est pas forcément très utilisé, mais il est pas mauvais non plus. Hop, ça on envoie au club. On garde ce qu'on n'a pas et on jette ce qu'on a. De toute façon, on est obligé. On a encore eu Scolari, c'est dément. C'est à croire qu'il y a que lui. On skip et on a eu rien. Pizzi, mouais, bof. Quitte à avoir un portugais à gauche, je préfère avoir Ronaldo. Mais on se contentera de Pizzi, hein, du coup. Et après ce pack opening là, il en restera encore deux. Et oui, donc t'es squad builder. Après, j'aurai assez de joueurs pour vous en proposer quelques-uns. Nguemo. Il me dit quelque chose. Aurier, l'ancien Lensois. J'aurai une bonne base pour faire une défense, en tout cas, avec une équipe africaine. Hodgson. Sélectionneur anglais, pardon. Biglia. De Silvestri. Ouais. C'est pas ça non plus. Hein. Non, pas un gros joueur pour l'instant. C'est peut-être le Gustavo, mais en double quoi. Ouais, c'est. Allez, c'est que le début, on va se dire. Il en reste encore pas mal. À ouvrir sur ce pack opening. Peut-être choper un gros joueur, je sais pas. Tioté, c'est pas un gros joueur. Ah, Pedro. Pedro, ça me va. À droite. De Guzan. Guzman. C'est pas. Guzman, ouais. Pinto. C'est pas le même que celui qui joue au Barça. Donc Tioté. Et que. Et qui est Gilet, un truc comme ça, que Gilet. Hop, on envoie tout ça au club et on jette ces deux éléments. Ouais, Pedro, ça c'est bien. Il vaut rien sur l'Ultimate Team normal, mais vous me direz sur ce mode, tous ne valent rien. Alors, un 85, ça fait plaisir. Ziyech, alors, j'aurais fait Neuer, mais. Oula, ouais, ça c'était le pack double, hein, Réveillère, Seedman. Ouais, et du double. Ça tourne, ça tourne. Que des contrats. Tout ça en garde. Florenzi, il est très bon comme joueur. Je l'ai testé sur l'Ultimate Team normal, il est très très bon. On va bientôt encore un pack, on est déjà à la moitié du pack opening. On skip Ayou. Bon, j'aurai les deux au moins. Baka encore. Je pensais déjà l'avoir eu. Ah, le maillot de l'Allemagne, il est pas trop moche.
Et voilà, et on est à la moitié du pack. Ayou pour mettre en attaque avec mon équipe africaine, ce sera bien. Ce sera bien. Alors, Bender. Lee. Hop, ça on jette. Le maillot extérieur de l'Argentine, il est moche. De l'Argentine, de l'Allemagne. Donc, hop, à la poubelle aussi. Alors, voilà. On dépasse la moitié du pack opening, 11e pack. Déjà, ça passe. Torado, je regarde vite fait. Bernard. Pas mal. Castils, Affelay. Et encore Scolari. Décidément, il est partout. On l'a tout le temps. Douzième pack. Zabaleta. Pas mal. Jabiadini. Ouais, bof. Ça, on garde. Le reste aussi. Et ça, on jette. Moi, Zabaleta, ça me va. Mon défenseur droit. J'ai pas beaucoup de défenseurs pour les autres équipes, en fait, donc. Pour la Confédération d'Afrique du Sud et celle de. Africaine, celle d'Afrique. Donc, les défenseurs sont les bienvenus. Les gardiens aussi, ce serait bien. J'aimerais bien un nouveau gardien pour mon équipe européenne. Parce que Reina, il est sympa, mais. Je sais pas, un petit Lloris, je sais pas. Bah, Lucas, le parisien. Oh, sinon, les doublons sont pourris, à part Dal Bosque. J'ai déjà. Plus d'un doublon, mais avoir déjà, on dirait. 13e pack, je crois, c'était celui-là, donc celui-là, 14e. Skip. Juan Mata, à gauche. Bien aussi, Mostefa. Abidal, qui a pas été du tout sélectionné, même pas réserviste, je sais pas ce qu'il fout là. Mais bon, c'est la France, si on va prendre. J'ai que des défenseurs hein. En France pour l'instant. J'ai eu Landreau aussi, je crois. Kaka, pas sélectionné non plus, mais ça me va. 15e pack. Avec Kaka dedans, ça me va. Et Lang. Je vais juste aller vérifier. Juste aller vérifier que. Que je suis bien 15 packs parce que sinon il en manquera un ou il y en aura un de trop, je sais pas. On a 17. Bon, tant pis, encore un, encore 5. Peut-être que j'avais. Merde. Peut-être que j'avais juste oublié d'en ouvrir. De ceux que j'avais déjà eu avant. Ça tourne, non, ça tourne pas. Allez hop, on skip. Oh, Neuer. Neuer, Lalana et Carole, ça me. Ah, Neuer, c'est bien. Je vais le mettre tout de suite, tiens, comme ça je l'oublierai pas. On va le mettre là pour l'instant. Et j'aurai un bon gardien en plus pour une équipe d'Afrique du Sud. Je vais prendre du temps après pour essayer de vous trouver les meilleurs joueurs pour vous proposer ça. Et si jamais, après les deux prochains pack opening que je ferai, il y en a. Que je vais faire plutôt. Il y a des joueurs mieux qui tombent, et ben je les rajouterai dans ces équipes là. Nocerino, Menez, qui a pas été réserviste non plus, je crois. Ravi Martinez, Moreno. Hop. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de joueurs, à mon avis. S'il y a même les réservistes, ça fait beaucoup, et s'il y a même les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, ça fait encore plus. Pourri ce pack, désolé. Hop. On garde ce qu'on a, comme d'habitude, on garde ce qu'on a.
On garde ce qu'on n'a pas et on jette ce qu'on a déjà. Donc encore un petit pack. Le dernier. Si on pouvait finir sur un gros joueur, je sais pas, bon, Ribéry, Sturridge, sinon c'est bien aussi. Sturridge, Mölzer à droite pour une Allemande. M'étonnant que j'arrive à faire une équipe avec que des Allemands, mais Mölzer c'est bien. Et voilà, et c'est la fin de notre pack opening. Ça lag un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un j'aime si jamais elle vous a plu, à la commenter si vous avez des choses à me demander ou à me dire. Bref, des réclamations. Donc, je vous dis salut tout le monde.